triomphera sur moi. Aucun adversaire ne me surpassera. Pendant que je prie, en frappant les mains, la défaite de mes ennemis, la défaite de mes ennemis, la défaite de mes ennemis. Maître de la
observant, voyant disparaître l'espoir de leur cœur, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Parfait. Encore, dis-le une fois. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur cœur, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Dis-le encore. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur cœur, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Les maîtres de la servante. Dis quoi? Voyant disparaître l'espoir de leur cœur. Voyant disparaître l'espoir de leur cœur. Se saisit de Paul et de Silas. Ce n'est pas Paul et Silas qui les avaient attaqués. Paul et Silas avaient délivré une femme qui avait un esprit de python. La femme ne les a pas poursuivis. Asseyez-vous. La personne qui les a poursuivis, ce sont les maîtres de la servante. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les actes des apôtres à coup sûr devraient être lus chaque mois par tout enfant de Dieu sérieux. Je le dis toujours, il est pratiquement impossible de pouvoir avoir la pensée de Dieu pour l'église finitive si on n'a pas la pensée de Dieu pour l'église primitive. Il est pratiquement impossible de pouvoir comprendre la pensée originale de Dieu si on n'a pas la pensée originelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit au départ? Ça nous permet de savoir ce qu'il veut nous dire à l'arrivée. Car en lui, il n'y a ni ombre de changement, ni variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit que dans Actes chapitre 8, l'évangile entre en Afrique. Dans Actes chapitre 16, l'évangile entre en Europe. Donc, autrement dit, l'Afrique a été christianisée longtemps avant l'Europe. L'histoire te dit que c'est l'Europe qui a évangélisé l'Afrique est une hérésie historique. C'est l'Afrique qui a d'abord reçu l'évangile. D'ailleurs, Jésus n'a jamais mis pied en Europe. Est-ce que je veux dire que tous les pasteurs qui vont en Europe sont des rétrogrades? Point d'interrogation. Jésus est allé en Afrique. Il n'est jamais allé en Europe. Bon, faisons pas de ça une doctrine biblique. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que quand Pierre arrive en Europe, dans une ville, la première personne qu'il rencontre, c'est une femme qu'il s'appelle Lydie. Elle vend les tissus. C'est une commerçante. L'évangile donc va entrer là-bas au travers d'une femme de basse classe, une commerçante. Alors que l'évangile entre en Afrique au travers d'un ministre intendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. On l'appelait l'unique Éthiopien. L'homme était paré de richesses. C'est lui le premier Africain à se convertir au christianisme post-résurrection, c'est-à-dire après la résurrection du Christ. Or, la première personne à se repentir en Europe, c'était une femme appelée Lydie. Tournons la page. Peut-être c'est la raison pour laquelle le féminisme voit plus son ampleur du côté de l'Europe aujourd'hui. Peut-être parce que c'est la femme qui est introduite, mais je ne fais pas de sentiments. Quand Paul donc décide de convertir Lydie, le samedi, le jour du sabbat, il s'en va à la prière comme vous êtes venus ce soir. Mais la Bible dit qu'il y a une femme qui le poursuit. L'autre qui a peiné, c'est que la plupart des prédicateurs ne vous ont pas dit ou qu'ils ont omis de dire, c'est que la femme ne les poursuivait pas à la maison. Quand ils allaient à la maison, la femme ne les poursuit pas. C'est quand ils allaient à la prière que la femme avait un esprit de python les poursuit. Qui vous a dit que le fait d'aller à la prière empêche le diable de vous suivre? Le diable peut te poursuivre au moment où tu vas à la prière. Mais c'est ce qui se passe au lieu de la prière qui empêche le diable de retourner avec toi. Toute personne qui est venue ici là, en ce lieu de moment de prière, et qui a été poursuivie,
et hanté. Ta manière de dire amen n'est pas fort. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Cette femme avait ce qu'on appelle un esprit de Python. Et pendant plusieurs jours, l'esprit là agissait et parlait. Jusqu'à ce que Paul fatigué, quelqu'un dit fatigué. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien. Il y a des choses qui ne sortiront de ta vie que si tu es fatigué. De fatiguer, de tolérer certaines choses, ça disparaît. Tant que tu n'es pas fatigué de tolérer la pauvreté, il ne partira pas. Tant que tu n'es pas fatigué de tolérer cette maladie dans ton corps, ça ne partira pas. Quelqu'un m'a demandé, mais toi tu es souvent malade. Arrive dans mon corps, c'est à ce moment que j'organise une croisade. Je sors au bureau pour aller. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne restes pas couché? Parce que la seule manière de répondre à la maladie, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'il attend que tu fasses. La seule manière de répondre au diable, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'il attend que tu fasses. Car l'ennemi t'attaque et que tu doutes de Dieu, il a gagné. Mais si tu attaques et tu renouvelles ton alliance avec Dieu, il perd sa puissance. À partir de cette année, toute attaque de l'ennemi va te pousser dans la gloire avec Dieu au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen fort et on avance. Amen. C'est la femme qui disait, ces gens sont des serviteurs du Dieu vivant. Écoutez, la Bible dit, Paul fatigué se retourna et parla à l'esprit. Il ne parla pas à la femme. C'est la femme qui disait, ces gens sont des serviteurs du Dieu vivant. Mais Paul dit, il y a une différence entre la femme qui parle et l'esprit qui parle. La plupart du temps, les gens qui s'adressent en bien de toi parlent à partir de la nature humaine. Mais la plupart des personnes qui parlent mal de toi parlent à partir d'un démon. Il faut faire la différence entre arranger le son. Il faut faire la différence entre quand c'est la personne qui parle ou quand c'est l'esprit qui parle. Et je prie pour toi aujourd'hui, qu'en cette année 2022, Dieu te donne un esprit de discernement poussé au nom de Jésus. Amen. Dis amen et tu reçois cela. Amen. La femme est délivrée. Et c'est là où le sujet est intéressant. Les maîtres de la servante, voyant partir l'espoir de leur cœur. Donc en réalité, la femme n'était que manipulée. Vous accusez la femme qui a l'esprit de Python, sans savoir que quelqu'un lui avait jeté cet esprit. On le lui avait jeté afin de l'utiliser pour pouvoir s'enrichir. Tous les gens que vous voyez fous dehors ne sont pas coupables. C'est qu'on les a jeté quelque chose afin de s'enrichir. C'est pour ça que je veux te parler aujourd'hui. Aucun enfantement ne tiendra dans ta vie cette année au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler, prier et prophétiser en même temps. Yes. En 2022, peu importe les sortilèges, les incantations et les invocations avec ton nom dans les rivières, tu es préservé au nom de Jésus. Amen. Tu es préservé au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, les maîtres vont se saisir de Paul et de Silas et vont les jeter à la limite en prison. Je parle sur le thème, les sept, qu'est-ce qu'on a dit? Les sept attaques de l'homme fort sur l'année 2022. Numéro 1, la première attaque que l'homme fort va essayer de placer sur ta vie et ta famille en cette année 2022, c'est l'attaque de changer ton bien en mal. En délivrant ces personnes, Paul faisait du bien à la femme. Mais le résultat de ça, c'est qu'il se retrouvait en prison à cause des maîtres de la servante. Les hommes forts qui possédaient la personne. As-tu remarqué que certains des problèmes que tu avais, c'est parce que tu as voulu aider quelqu'un?
voulu sauver quelqu'un d'une certaine situation. Mais je suis venu t'annoncer, cette année, l'homme fort qui est responsable de changer ton bien en mal sera aveuglé et paralysé au nom de Jésus. Amen. Changer ton bien en mal. Fais voir, et c'est ce que le diable va faire en 2022. Fais en sorte que quand tu es méchant, tu avances. Vous avez remarqué qu'à un moment, tu ne pries plus, tu ne vas pas à l'église, et les choses semblent marcher bien pour toi. Le moment où tu commences à prier, consacrer ta vie à Dieu, ça devient compliqué. Qui a déjà fait ces remarques-là? Quand tu prends un bon engagement, ça devient compliqué. Mais quand tu dis, je m'en fiche, ah, je peux ce que je veux. À ce moment, même les anciens dragueurs qui t'avaient abandonné ta belle et dit qu'il y a un 250 000 qui chopent. Est-ce que tu n'as pas besoin de ça pour commencer ton business? Tu dis, ah, peut-être je vais baisser. Non. Cette attaque est arrêtée au nom de Jésus. C'est pour ça que je prophétise ma première prophétie contre l'homme fort de l'année 2022. Aucun malheur ne t'arrivera à cause du bien que tu as fait à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Je connais quelqu'un qui a donné l'argent à une personne. La personne a pris cet argent pour pratiquer la sorcellerie avec. Et ça a séché la vie de la personne pendant 7 mois. Tout argent que tu vas donner à quelqu'un et que la personne va vouloir utiliser ça contre toi, retour à l'envoyeur. Amen. Retour à l'envoyeur. Amen. La deuxième chose que l'homme fort fait en cette année, c'est qu'il va faire tout pour te maintenir en esclavage. Te maintenir dans une position d'esclavage. Frères et sœurs, la deuxième activité de l'homme fort, c'est de s'assurer que tu travailles, oui, mais que tu ne vois pas le produit. Tu pries, oui, mais tu ne vois pas le résultat de ta prière. Tu aimes les gens, oui, mais on ne t'aime pas. Tu te sacrifies, oui, mais personne ne se sacrifie pour toi. Je frappe le pied par terre. Je reçois. Pendant que tu frappes ta part des pieds, tu sors de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Amen. Vérifiez-moi le son, s'il vous plaît. Tu sors de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Amen. Plusieurs nous écrivent disent que le son n'est pas bon. Quelqu'un dit amen. Amen. L'esclavage, c'est ça qu'on parle. Parfois, tu parles en direct comme ça, vous écoutez bien. Mais quelqu'un qui vient te bénir à la télé, nous supposons, n'est pas béni parce que le son n'est pas bon. Alors que je suis en train de crier ici, mais de l'autre côté, ça n'apparaît pas. C'est ce qui se passe dans la vie. Tu fais des efforts. Mais les personnes qui devaient écouter et t'aider dans la vie n'arrivent pas à percevoir le son que tu présentes. C'est simplement parce que l'homme fort étouffe les efforts que tu fais. C'est pour ça que tu es là pour ce premier jour de jeûne et de prière. Tout homme fort dans ta vie qui est chargé de minimiser les efforts que tu fais, qui est chargé de te maintenir sous une forme d'esclavage du célibat, esclavage de la pauvreté, yes, de la souffrance, du rejet, de l'humiliation, lève ta main et dis amen et tu sors aujourd'hui. Amen. Et tu sors aujourd'hui. Amen. C'est ce qui s'est passé avec l'homme fort appelé Pharaon. Maintenir Israël dans l'esclavage. Numéro 3, l'homme fort, ça c'est l'homme fort appelé Pharaon, maintient dans l'esclavage. L'homme fort appelé propriétaire de Python maintient les gens dans ce que j'appelle, c'est-à-dire chaque jour le bien à mal. L'homme fort, troisièmement, l'homme fort appelé Samson. Oh non, pas de Samson. La Bible, on l'appelle le propriétaire du rasoir. La Bible dit il rase ta chevelure. Delila est quelqu'un qui, dans le règne spirituel, est le symbole de celui qui te fait perdre ta force. En rasant ta chevelure, oh, la chevelure parle de la gloire. La chevelure parle de la gloire. La troisième activité de l'homme fort, c'est de raser ta chevelure afin de voler ta gloire.
Dieu ne permet à aucune de ses créatures d'entrer dans une nouvelle saison comme 2022 sans avoir disposé une gloire attachée à cette saison. Mais qu'est-ce que l'homme fort appelé Delila et le propriétaire du rasoir font? Ils rasent ta chevelure, ils enlèvent ta gloire afin que tu ne vois pas les choses arriver. Et l'absence de la gloire parle de la honte. L'absence de la gloire introduit la présence de l'humiliation. Cette année, tu ne seras pas humilié. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un ici. Que Dieu, en 2022, t'introduise dans une dimension de gloire. En 2021, tu as fonctionné avec la puissance. En 2022, tu fonctionneras avec la gloire. Amen. Oh, celui qui est glorieux est servi par celui qui est puissant. La gloire est au-dessus de la puissance. Celui qui est glorieux est servi par celui qui est puissant. Arrête de chercher seulement la puissance. Pousse, suis la gloire. Et toute personne à qui on avait rasé la chevelure dans le rêve spirituel, tu as fait un rêve, on a rasé tes cheveux. Ou tu t'es retrouvé dans un endroit bizarre, on te coiffait. Ou on t'a tressé, on a manipulé ta chevelure. Par l'onction de Dieu sur ma vie ce soir, je déclare que ta chevelure est restaurée spirituellement au nom de Jésus. Amen. Donc, donne-moi un amen fort et c'est restauré. Amen. Donne-moi un amen fort et c'est restauré. Amen. Numéro 4. La quatrième chose que fait le propriétaire, que fait l'homme fort en cette année contre ta vie, c'est le fait de pouvoir insulter. Il insulte ta confiance en Dieu et fait douter ta confiance en ton leader. Exemple de Goliath. Il insulte ta confiance en Dieu et te fait douter de ce que tu as placé dans ton leader pour toi. La Bible dit Goliath, quand il approchait le peuple d'Israël, disait, il insultait Dieu à la limite. Et ta mère a dit, mais qui est cet incirconcis de Philistin pour insulter qui? L'armée du Dieu vivant. Il insultait la présence de Dieu. Et il dit, vous êtes les chiens, les esclaves de Saül. Il faisait douter le leader. L'esprit, la quatrième chose que fait l'homme fort, c'est d'insulter ton témoignage. Insulter ta foi, ta confiance en Dieu. Depuis que tu sais Dieu, tu as vu quoi? Tu as montré quoi? Toutes les années là sont passées. Ou alors ton témoignage. Et à la limite, tu commences à douter de ton leader. Est-ce que vraiment il est loin? Est-ce que c'est vraiment mon prophète? Peut-être que j'ai fait une erreur. Et tu commences à te poser des questions. Ça, c'est la quatrième activité de l'homme fort. Ma idée Cabral. Note parce que c'est avec ça que tu vas prier toute la journée de demain. Amen. Toute activité de l'ennemi en vue de te faire douter ta foi en Dieu, cela est neutralisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Rappelez-vous que nous sommes là où nous sommes parce que Satan a fait douter Ève par rapport à Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Cinquième. La cinquième, c'est la cinquième ou la quatrième? Hein? La cinquième activité de l'homme fort, c'est qu'il envoie des mauvaises nouvelles sur toi pour créer des combats.
analysez bien un peu. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu l'avait suscité pour les délivrer. Mais parce que ses frères n'ont pas compris, ils l'ont vendu, ils l'ont livré à la victime, à Pharaon. Parce qu'il a regardé à gauche, il a regardé à droite, personne n'était là. Il a tué l'Égyptien. Qui a donc informé? Ce sont les deux gars qui se battaient. Les deux gars qui se battaient et qu'on a sauvés, ce sont les mêmes qui sont allés le trahir. Puisque c'est à cause des deux gars-là qu'il a dit que non, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je prie pour toi aujourd'hui. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, toute mauvaise nouvelle attachée à ton nom sera paralysée au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas victime de ce que tu n'as pas vu. Amen. Amen. Tes actions ne seront pas mal interprétées. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui disent je t'aime. Et ça les aide. Non, non. Mesdames, est-ce que tu es arrivé de dire à ton mari je t'aime? Quand une femme commence à dire je t'aime, je t'aime. C'est comme si dans sa tête, tu veux directement l'argent. Imagine-toi, tu, ton mari rentre à la maison et tu as préparé une chose qui a mis la fleur dessus. Et tu as tout arrangé. Quelle sera sa réaction? Tu me caches pas. Provo. Hein? C'est suspect. La salle, ça sent la naque. C'est qui n'a pas l'habitude. Vous voyez, on est tellement fabriqué. Parfois, tu peux la voir parler que fais du bien à ta femme ou à ton mari. Mais parfois, ils ont peur de ne pas du bien parce qu'il y a des gens qui disent, pour moi, quand on met des enfants, je demande, je sens que malheur à ma vie. Il y a des gens qui ont dit que c'est déjà établi en eux. Pourquoi j'ai ri trop aujourd'hui comme ça? Je sens qu'il y a un peu de mal. Vous ne connaissez pas les gens comme ça? Je suis tellement content aujourd'hui, cette semaine-ci. Il me faut beaucoup de prière. La manière que je suis content là, c'est comme si quelque chose de mauvais va m'arriver. Non! Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est un esprit dangereux qui veut changer toujours le bien que tu fais en mal. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. La sixième et l'avant-dernière chose. La sixième attaque de l'homme fort, c'est l'attaque sur ton étoile. À son prix. Et défier les ailes de l'esprit. À son prix, ton étoile. Défier les ailes de l'esprit. Et te faire sortir du lieu de ta vie. À son prix, ton étoile. Dépier tes ailes de destinée et te fais sortir du lieu de ta vie. Ça, c'est héros. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune prophétie dans la Bible qui dit que Jésus devait aller en Égypte. L'Égypte était considérée comme un lieu de rétrograde. Il y a une seule prophétie qui dit j'ai appelé mon fils hors Égypte. C'est la seule prophétie. Il n'y a pas une prophétie qui dit que j'ai envoyé mon fils en Égypte. Qu'est-ce qui l'a poussé en Égypte? Héros ne voulait pas. Dieu a dû l'appeler hors Égypte. Maintenant, je peux vous choquer. Il n'y a aucune histoire, aucun verset, aucune phrase, aucun mot de Jésus en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il est entré dans les sous-sols, no man lands. Rien du tout, tout ce temps là-bas. C'est-à-dire, le fait qu'il soit parti là-bas, c'est comme il est sorti du rétroviseur prophétique. Le fils de Dieu était hors de sa maison. Et la preuve, c'est que plus tard, quand on lui dit, Jésus-Christ dit que je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Au champ d'action, c'est là. Ah! La volonté parfaite donc de Dieu c'était là-bas. Qu'est-ce qui l'a amené de l'autre côté? Hérode, une attaque de l'homme fort.
assombrit ton étoile et te fait sortir du lieu de ta présence. Vous vous rappelez d'un homme appelé Abinadab qui avait une femme appelée Naomi. Et il y a eu une famille à Bethléem. Et ils sont partis chez moi. Arrivé là-bas, il est mort. Ses deux enfants sont morts. Il n'y a que les femmes qui sont restées vivantes. On peut soupçonner les femmes. Bon, on n'a pas fait psychologie de la femme. Mais en tout cas, ce n'est que les hommes qui mouraient. Les femmes sont restées vivantes. Naomi dit non, deux femmes peuvent rester. Écoutez-moi bien. Tant qu'ils étaient à Bethléem, mais quand ils sont sortis pour aller chercher ailleurs, ils sont morts. On a vu qu'il y avait la famille à Bethléem. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ton lieu de bénédiction que tu dois aller à chez moi. L'erreur que plusieurs personnes font, c'est qu'ils ont des difficultés à l'église. Vous savez comment les sécheresses à l'église et ils partent. Ce n'est pas parce que tu traverses une période de sécheresse que ce n'est pas Bethléem. Jésus plus tard va naître à Bethléem. Comme Ruth, la Moabite qui n'est même pas de la descendance d'Abraham, va se retrouver à Bethléem. Elle va entrer dans son héritage. Les vraies personnes qui ne veulent pas font les choses. Donc je peux être au bon endroit, même si je n'étais pas qualifié, parce que je suis au bon endroit, je prends la bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit amen. La preuve. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, vous savez qu'il y a les Juifs qui sont morts, qui ne sont pas sortis. Et qu'il y a les Égyptiens qui n'ont pas été tués. Oui! Il y a des enfants d'Abraham et des enfants de Joseph qui sont morts. L'ange de la mort a les a tués. Ils étaient des Israélites. Comme Moïse a envoyé, l'ange les a tués. Vous voulez savoir comment? Parce qu'il n'avait pas de puissance. La condition n'était pas celui qui est descendu d'Abraham. C'est celui qui met le fils. Or, il y a des gens qui ne croyaient pas en Moïse, qui ne croyaient en rien, que le Dieu du on ne sait jamais. Certains d'entre eux-mêmes, leurs femmes, ce sont des noms qui ne me sont pas dit, je mon mari s'est trompé. Elle, la nuit, avec deux soeurs, elle allait mettre le sang sur la mort. Le mari s'est levé, tout le monde est vivant. Tout là-bas, on est mort. Il disait, voilà, il est là, elle a le sang. Il dit à la fin, que Dieu a fait comme ça. Donc, voilà, il est vivant. Si il avait le sang, tu serais mort. C'est pour ça que la Bible dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, écoutez bien, une foule est sortie. Il n'était pas comme ça. Mais la Bible dit, plus tard, c'est sur ces gens qui vont trouver Pierre. Donc parmi les gens qui sont sortis, il n'y avait pas. Donc il y a l'obéissance et capitale. Bon, quelqu'un n'a pas dit amen à cette bénédiction. Donc quelle est la sixième? C'est la sixième ou la septième? Quelqu'un dit le lieu de la bénédiction. Dis à ton voisin, dis voisin, identifie ton lieu de bénédiction et reste là-bas malgré la sécheresse. La sécheresse arrive, moi je me comprends plus. Je ne comprends plus le message du Père. Le manque de prêcher, je ne me sens plus bien. Quand il prêche, avant qu'il prêche, ça faisait plus ça. Et là, quand il prêche, ça fait plus ça. Mon Père, c'est moi qui ai fermé la porte. C'est le même pasteur, le même bishop, le même message. Plus en entreprise, il y a une sécheresse quelque part. Les débuts veulent te faire quitter. Tu as Satan. Tu es encore. Ça va rester. Septième et dernier point. Lorsque la septième attaque de l'ennemi, il sème des mauvaises relations dans ta vie. Il provoque un esprit de confusion. Il sème des mauvaises relations dans ta vie. Il provoque un esprit de confusion. Voilà les sept attaques. Vous vous rappelez, les livrets. Le semeur sorti pour s'aimer et qui s'aimait, le prophète a s'aimer le livre. Il y a un ennemi est venu s'aimer.
il n'y aura pas d'ivraie dans ta vie cette année au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu ne vas pas attendre tes sables avant de récolter. L'ivraie est enlevée et le semeur est arrêté au nom de Jésus. J'ai l'habitude de vous dire, quand vous priez, on dit, mais quand vous apporte à manger la nuit, les mauvais rêves, vous avez des habitudes nocturnes. Quand vous priez contre les repas nocturnes, ce n'est pas une bonne prière. Non, ce genre de prière, ça va t'empêcher d'avoir les repas nocturnes pendant une semaine et la semaine d'après ça va arriver. Comment est-ce qu'il faut prier pour ce genre de prière? Seigneur, que les cuisiniers meurent. Voyez, s'il y a un repas, il y a un cuisinier. Quand tu tues le cuisinier, c'est fini. On ne va plus te donner le repas. Donc, tuer les cuisiniers mystiques, ne tuer pas juste les repas. Seigneur, je renverse le plat. Il va t'apporter un autre plat. Je renverse encore. Mon ami, tu vas être content à renverser. Et c'est la même chose. Quelle est la meilleure manière d'arrêter un mauvais rêve? Quelle est la meilleure manière d'arrêter un mauvais rêve? C'est de te réveiller. Si tu rêves qu'on est en train de te battre, mon ami, réveille-toi seul, le rêve va s'arrêter. Et si tu as remarqué le visage de la personne, dessine sa photo, mais donne-lui le coup de poing en réalité. Et toi, c'est le rêve. Que Dieu vous protège au nom de Jésus. Je déclare que ce premier jour de jeûne, toute attaque de l'ennemi, les sept attaques, tu es préservé au nom de Jésus. Ta famille est préservée au nom de Jésus. Je voulais vous donner ce témoignage avant de continuer. Hier, je suis allé dans le pasteur Sia à sa maison à brûler avec Judas Douette. Il dormait à 3h du matin. 3h. Hein? Le feu a pris toute la maison. Le voisin, rien. L'autre, rien. L'autre, rien. Vous savez, le pasteur, c'est son mari, est un homme entendu. Tout a brûlé de la toiture jusqu'en bas. Même pas un bic est resté. Les maisons, le lit, les télés, toute la maison a brûlé. Le mari a brûlé, son garçon a brûlé. Avec ses enfants, aucune fille n'a brûlé. Tous ceux qui sont fidèles à l'église, ça n'a pas de raison. Mais regardez, en fait, donc, parce que plusieurs fois j'ai dit à maman, c'est elle qui me disait ça, maman, appelle ton mari, je veux prier pour lui. Appelle ton mari, parce que c'est un de mes fils qui, depuis le moment de venir pour lui, il a le travail, c'est le sujet que nous avons pour son frère, il est venu pour lui, il est venu trop occupé pour lui. Je ne serai jamais trop occupé pour lui. Mais sa femme acclamons pour les femmes. En fait, acclamons pour les femmes. La femme en réalité, quand elle a pour appeler le tissu que j'avais pris sur Rahab, c'était trop long. Elle arrivait à la maison, elle a coupé en deux. Elle a attaché sur le bras de son mari. La nuit, son mari était de garde au niveau de l'armée. Et il revient à minuit pour se coucher et dormir. Et une heure. À 3h, il voulait se reposer pour repartir à 4h. C'est à 3h que le feu l'a pris. Or, il avait mis le tout rouge sur sa main. Là, le feu a brûlé une partie. L'alliance, le feu a brûlé l'alliance, mais le tout rouge n'a pas été. Le tout rouge n'a pas été. Et c'est ça qui l'a sauvé sa vie. Parce que personne n'arrive à comprendre comment il est resté vivant. Parce qu'il était le sanctifié. Dieu a mon. L'alliance, c'est un machin. Ça a compris. Ce sont quoi? Tu vois, il y a les photos. Son fils a été brûlé. Bah, c'est l'un des rats qui, quand sa mère dit, allons à l'église, dit, achète-moi d'abord un habit avant que j'aille à l'église. Maintenant, quand je suis allé prier là-bas hier, je suis allé au chute parce qu'ils sont venus au chute. On a prié là-bas et à ce moment, son mari dit, je suis un prophète. N'attends pas que le malheur frappe à ta porte pour écouter la voix de Dieu.
Il y a un prophète dans ta vie. C'est le bishop. Dieu ne dort qu'à même. Il parle au pays et tu verras Dieu te préserver au nom de Jésus. D'ailleurs, ce dimanche, vous allez avoir un autre bandeau pour le mois de juin. Ça, c'est Sarah pour arrêter les sécheresses dans nos vies et pour précipiter l'accomplissement du miraculeux. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Et c'est par rapport à notre alliance de 2022, les 22 000 que nous traitons alliance avec Dieu et que nous devons donner d'ici dimanche. Quelqu'un n'a pas dit amen. Lève ta main et dis Père au nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi contre ma vie. Toute attaque de l'ennemi contre ma vie. Toute attaque de l'ennemi contre ma vie. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Les sept attaques sont annulées au nom de Jésus. Cette année 2022. Je me couvre dans le sang de l'agneau. Je me couvre dans le sang de l'agneau. Et je préserve ma famille. Je préserve ma famille. Amen. Trois fois et c'est établi. Amen. 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 Je vous déclare béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare ta vie bénie au nom de Amen. Jésus. Ce premier jour de jeûne, l'Éternel te conduit dans la gloire au nom de Jésus. Amen. J'attaque ceux qui t'attaquaient. Amen. Je déclare qu'il n'y aura pas de retard dans l'accomplissement de tes prophètes. Ton miracle est libéré. Amen. Ta destinée est libérée. Amen. La faveur prie sur ta vie. Amen. À partir de demain, tu commences dans un nouveau jour. Amen. Ta destinée va de gloire en gloire. Amen. Quelqu'un lève la main et dit amen fort. Amen. Par l'onction de Dieu qui a su ma vie. Yes. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Yes. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Yes. Et j'annonce devant Dieu que cette année sera la meilleure de tes années. Amen. Tout ce qui est dit sur ta vie s'accomplira. Amen. Tes enfants t'apporteront de bonnes nouvelles. Amen. Ton conjoint t'apportera de bonnes nouvelles. Amen. Tes membres de ta famille t'apporteront de bonnes nouvelles. Amen. Je peux te bénir avec un véhicule nouveau cette Amen. Année. Tu auras une nouvelle voiture cette année. Amen. Tu construiras une nouvelle maison cette année. Amen. Tu voyageras te reposer au Canada, États-Unis, Europe, au nom de... Je prie et je déclare. Yes. Quelqu'un qui t'avait oublié se rappelle de toi cette année. Amen. Quelqu'un qui t'avait rejeté yes. se rappelle de toi cette année. Amen. Le cancer ne sera pas dans ton corps. Amen. La typhoïde n'apparaît pas dans ton corps. Amen. L'hépatite B, C, D disparaît de ta vie au nom de Jésus. Aucune maladie vénérielle. Aucune maladie bactérienne, aucune maladie héréditaire, aucune maladie accidentelle yes. n'aura le droit d'habiter ton corps au nom de Amen. Jésus. Je déclare tes poumons purifiés. Amen. Ta respiration est restaurée. Amen. Je déclare ton cœur purifié. Amen. Tes organes cardiaques sont restaurés. Amen. Je déclare ton cerveau purifié. Amen. Il n'y aura aucune attaque dans ton cerveau. Amen. Je déclare ton appareil excrétoire purifié. Amen. Tu n'auras aucun problème au niveau de tes parties intimes. Amen. Je déclare tes pieds restaurés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tes yeux sont protégés. Amen. Tes oreilles sont protégées. Amen. Ton nez est protégé. Amen. Ta bouche est protégée. Amen. Tu n'auras aucun problème de dents. Amen. Tu n'auras aucun problème dentaire. Amen. Ta gencive est solidifiée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le feu de tes mains. Amen. Je bénis le feu de tes mains. Amen. Tes affaires vont prospérer. Amen. Que Dieu te donne une idée originale. Amen. Qui va te rendre riche dans les trois semaines qui viennent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je libère tes êtres destinés. Amen. Ils viendront de l'Australie. Amen. Ils viendront de l'Asie. Amen. Ils viendront de l'Europe. Amen. Ils viendront de l'Amérique. Amen. Et c'est ton visage qui sera le visage de confiance. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je renouvelle ta garde-robe. Amen. Que ton Dieu te supprenne. Amen. Que ton Dieu te supprenne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui t'avait oublié se rappelle de toi cette année. Amen. En ce mois de janvier. Yes. En ce mois de janvier. Yes. Une seule offrande qu'on va te faire. Amen. Va te garantir pour les six prochains mois. Amen. Non, tu ne me comprends pas. Ah. Tu vas gagner un contrat. Amen. Tu auras une ouverture. Amen. Tu vas valider ton année au nom de Jésus. Amen. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Une porte va s'ouvrir hey. En ce mois de janvier. Yes. Et ça va faire qu'en février, hey. En mars, yes. En avril, yes. En mai, yes. En juin, en juillet, en août, hey. En septembre, en octobre, en novembre, ah. Tu n'auras plus de problème d'argent au nom de Amen. Jésus. À cause de la porte qui va s'ouvrir. Ah.
Je suis en train de bénir quelqu'un. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur yes. quelqu'un. La porte la va sauver. Amen. La porte la va sauver. Amen. Au moment où les hommes disent, janvier est un mois difficile. Ah. Avec toi, l'Éternel fera la différence. Amen. Avec toi, yes. Jéhovah fera la différence. Yes. Tu seras honoré ce mois. Amen. Tu seras honoré ce mois. Amen. Tu seras valorisé ce mois. Amen. Tu seras honoré ce mois. Amen. J'attache la double honneur à ta vie. Yes. J'attache la double honneur à ta vie. Yes. Arrabakata, yes. Et je libère les trésors cachés, l'argent caché, yes. les finances cachées, yes. dans ta vie, Amen. Dans ta vie, Amen. Dans ta vie, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un endroit, yes. appelé ton endroit, hey. Il y a un trésor, yes. qui porte ton nom. Hey. Je libère ce trésor, je libère ce trésor, je au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 Dans une offrande, tu as Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De Dieu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, en quelques minutes, laissez-moi prêcher sur le thème.